toute façon, je vais essayer de leur faire un piège hein, pour attraper leur flotte. Ça sera pas mal. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Research complete. On a débloqué les mondes arides, donc on va pouvoir avoir aussi ce qu'il faut. On pourra avoir de l'engos qui permet d'obtenir une arme énergétique avec les dégâts de 10%, pourquoi pas. Les guerriers psy, dégâts relatifs aux armées, dégâts relatifs au moral. Est-ce qu'on peut se le permettre? Siphon énergétique, ça fait quoi ça? Ça fait du dégât, mais ça nous intéresse pas comme élément. Peut-être les dégâts, ça pourrait être pas mal. System survey complete. Vaisseau de construction à terminer. Oh, on a récupéré pas mal de ressources pour le coup. Ce qui est plutôt pas mal. On va récupérer des stations de recherche encore. Est-ce qu'on a mieux pour l'instant? Pas spécialement, hein, malheureusement. Ah, est-ce qu'on a réussi à l'engager cette flotte? Ah oui, ça c'est bien! Donc on va faire venir notre flotte dès qu'on pourra. Alors attendez, juste chercher mon armée ici, m'assurer qu'on puisse bien prendre la planète sans trop de problèmes. On pose l'armée, on va prendre la deuxième. Et on va aller soutenir notre première armée. Ah zut, j'ai pas fait ce que je voulais. Excusez-moi. Ouais, ça sera... Oh là, excusez-moi, ça fait un bouquin du diable. Mais au moins, on aura réussi. Et l'invasion ici, bon, 4 armées, hein, on va voir, ça devrait pouvoir tenir, je pense. Il reste un peu de défense, bon, les dégâts seront quand même augmentés de 100%, ce qui est pas mal. Et on aura déjà vaincu une armée. Si elle veut bien. Allez, une armée en moins, ça sera pas mal, ça va permettre de vaincre une deuxième, puis une troisième. Bien, on va prendre notre troisième planète, notre troisième flotte, pardon, et on va venir s'occuper de cette planète-là. Ce sera très bien. Et on a un vaisseau scientifique qui ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on a... Tu fais la recherche, s'il te plaît. Ça devrait être bon. Et après, il nous reste quelques zones encore, mais on le fera un peu plus tard, je pense. D'accord, ils ont essayé d'attraper ma flotte. J'ai mes vaisseaux qui arrivent juste derrière, donc ça devrait le faire. System survey complete. Et j'ai trop de ressources. Ce qui est assez gênant de ce côté-ci. Alors, est-ce qu'on peut construire des spatioports? On va augmenter un petit peu les vaisseaux de partout, je pense, à nous utiliser nos ressources. Et on va peut-être partir aussi sur des vaisseaux de colonisation, puisqu'on peut coloniser maintenant les mondes arides. Donc, on va certainement construire. On peut commercer aussi, donc je pense que ça pourrait être pas mal. On va partir sur ce type de personnage. Vous voyez que quand on construit des vaisseaux et qu'on a plusieurs races, enfin plusieurs sortes d'habitants, il faut choisir un petit peu celui qui est le plus intéressant pour nous. Donc c'est celui-là, bien évidemment. Ouh, là il y en a vraiment des différents pour le coup. Certains sont même plutôt guerriers, c'est bon à savoir.
Hostile fleet engaged. Ici, on va augmenter un petit peu. On va tout embarquer. On va prendre la flotte et on va la partager un petit peu. Alors. On va en mettre 3. La flotte la plus faible en termes de puissance, on va la faire se poser sur la planète. Et la flotte qui me reste, qui n'est pas posée. Celle-ci, pardon, hop là, je vais la récupérer. On va l'envoyer proche ici. Et on devrait pouvoir se laisser après bientôt. Une fois qu'on aura pris la planète, ça devrait pas poser trop de problèmes. Il y a quand même une certaine défense. Hein. Ça peut être assez compliqué. Mais on aura le temps de déplacer, je pense. On va poser ensuite notre flotte. Je pense qu'on va poser notre flotte ici et on va ramener l'ensemble des vaisseaux. D'accord, on a eu un nouveau général d'apportée, très bien. On va mettre notre flotte ici, on va lever les armées, on va tout embarquer et on va les prendre et on va les approcher avec la flotte qui est ici. Ce sera très bien, je pense. Ah, l'épisode commence à être long hein, pour le coup. Il y a plein d'empires qui commencent à s'intégrer les uns dans les autres. Pourquoi pas. Special project complete. Ok, grand éplat, les Guolantas sont des herbivores disposant de poches gazeuses internes, ce qui leur permet de flotter à quelques centimètres du sol. Ils se déplacent en troupeaux composés de quelques dizaines d'animaux et se nourrissent des mousses et des lichens des plantes venteuses de JPS Tooding Highs. Ils sont la proie des impitoyables prédateurs Apex de là et les biologistes du JPS Tooding Highs estiment qu'il ne reste plus que quelques dizaines de troupeaux sur Guolantas. L'un d'entre eux, composé de 9 spécimens, a bien été récupéré et sera ramené à Obscurae. Très bien. On va se voir un autre secteur, peut-être. Ça sera très bien. On en profite, hein, bien évidemment. Ok, 80%... Cette planète est mal fortifiée. Bah, c'est très bien. Ça diminue quand même pas mal. Hein. C'est plutôt bien. Et j'ai un vaisseau de construction qui sait pas quoi faire. Est-ce que j'ai des constructions supplémentaires à réaliser pour l'instant? Non, on va lui demander d'aller se poser autour. Bah, d'ailleurs, vu qu'on savait pas quoi faire, on va pouvoir regarder un petit peu les différents secteurs et en demander pour certains de construire... des panneaux solaires, on va construire également des éléments de niveau 2, ce sera très bien. Comme ça on va utiliser un peu nos ressources parce que sinon on va pas avancer. Alors des panneaux solaires et on va partir là-dessus. Autant utiliser nos ressources, hein. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Non. Bon, après, on aura des éléments de recherche, hein, mais pour l'instant... Ah, il y en a des planètes dans ce secteur. On l'a plutôt bien fait progresser, mais c'est pas suffisant. Là, on a eu des robots qui ont été construits un petit peu partout. Le problème des robots, c'est qu'ils sont pas vraiment acceptés non plus pour l'instant, mais donc on les interdira par la suite, c'est pas très gênant. Allez, on va mettre un peu de plaisir là où on peut en avoir. Et le secteur qui est ici, il n'y a qu'une planète.
Et cette planète-là, on va aller dessus directement. Elle est ici. Voilà. Ça sera pas mal, je pense. Et donc le secteur ici. 1100, bah c'est plutôt pas mal. À peine fortifié, bah dis donc. Mais même à peine fortifié, quand même, c'est une défense à 50%, ce qui est énorme, je trouve. System survey complete. C'est pas mal ça. Allez, on sera très bien. On va pouvoir demander de poser les armées. Research complete. Allez, une première armée vient d'arriver. Une deuxième devra arriver en support de la première. Une recherche vient d'être terminée. Très bien, ça c'est l'énergie en point 0. Réacteur point 0. Est-ce que c'est encore mieux? Ben, je me semble que oui, hein, mais. Ensuite, en termes de recherche, ben, on va repartir. Capacité de stockage d'énergie. Centre d'alimentation numéro 2. On va partir là-dessus pour gagner plus d'énergie et on a disponible. D'accord. On a apparemment des personnes qui veulent se mettre en grève, notamment ici. On les annexera certainement, on va voir, enfin on va certainement les asservir. On verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, on va s'assurer de prendre la planète. Enemy planet secured. Ok. Donc j'avais demandé 4 planètes. 4 planètes ont été prises. On va voir le score de guerre, négocier ce que l'on peut obtenir. Donc j'avais demandé 1, 2, 3, 4. C'est 75%. Donc il en manque encore. On va détruire un avant-poste. Parce qu'en plus il nous gênera plus tard. Construction complete. Et là, on a une armée ici. Donc, est-ce que je peux attraper cette armée-là? On va partir juste sur cette flotte qu'on va demander de surface. On va tout embarquer, on va la partager encore une fois. On va la couper en deux, hein. Il y en a une qui va donc redescendre sur la planète. Et l'autre qui va venir directement ici pour se poser aussi sur la planète. Et ce sera pas mal, je pense qu'on pourra après continuer à faire des dégâts chez eux. Ok, l'équipage du JPS Studing AI a réussi à récupérer un petit groupe d'Utloran sur la planète gelée de J. Donc ok. Ces herbivores à poils blancs se mettent en boule pour rouler sur des étendues enneigées de la. Planète Intel, à une vitesse pouvant atteindre les 80 km/h. Les immenses gerbes de neige qu'ils laissent dans leur sillage nous ont permis de bien les repérer. Très bien, bah c'est pas mal ça. On a pas mal de recherches dans tous les sens, ça va. Ensuite, nouvelle recherche. Ça devrait être pas mal, je pense. En termes de flotte, on devrait pouvoir s'en sortir, je pense.
Ok, alors, on a eu un nouvel héritier, on a changé, le prophète Guillermo Alvarez est décédé, on va pouvoir récupérer un nouvel héritier, c'est très bien, on a une déclaration de guerre, mais c'est pas contre nous, donc peu importe, et on va donc chercher sur notre surface où est-ce qu'on pourrait construire un mausolée. Très bien, on va perdre quelques ressources, mais c'est pas très grave. Et nous, on va essayer d'attraper cette fameuse armée à 1800. Construction complete. Donc, on va pouvoir coloniser plein de planètes. Donc, on va regarder ce qui est aride. C'est surtout les planètes arides hein, qui nous intéressent, continentales. Continental toundra, tropical, non, aride. 65%. Donc on va coloniser ça. Ok. Ça sera pas mal là. Pour commencer. D'ailleurs, ouais, ça sera pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre planète? Toundra océanique, aride ici. Ok, alors. Là, on sera pas mal. On va déjà faire partir ces planètes-là. Ok, ça fuit un peu dans tous les sens. Bon, on détruit déjà des grosses flottes, hein, donc je suis plutôt content de ce côté-ci. D'accord, bon, on a gagné encore des amiraux. Fait du mal. Attendez, attendez, attendez. Je vois qu'il y a une flotte qui arrive par ici. On va aller s'en occuper. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Non, tu t'échapperas pas comme ça. Les Zulkors ressemblent à des insectes en essaim, ce qui est inhabituel en raison de la taille de la nature lithovore, de ces créatures qui se nourrissent de rochers et de minéraux. Alors qu'elle tentait de traverser un essaim de Zulkor, une des navettes du GPS a été sérieusement endommagée et ceux-ci ont commencé à attaquer sa coque. La fabrication de conteneurs spécifiques contenus pour transporter, d'accord, a été réalisée. Ah bah là, on a détruit tout leur vaisseau de... Vaisseau scientifique, est-ce qu'on a encore de la possibilité d'étudier d'autres machins? Non, pas vraiment, donc on va pouvoir baisser ça. Est-ce qu'on aurait beaucoup de débris Bon, on a beaucoup de débris ici, donc on va partir les rechercher. Ok. Il faut qu'on arrive à trouver où est la flotte... On n'a plus de ressources, d'accord, ça c'est pas bon. Ah oui, moins 107 quand même. C'est un peu beaucoup quand même. Et c'est avec eux qu'on peut proposer du commerce encore.
Est-ce qu'ils accepteraient, eux? Ah, ils accepteraient, c'est pas mal, ça. Là, on est un peu trop... Ok, bah c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, j'ai essayé de voir où est-ce qu'on peut avoir cette fameuse flotte, savoir où elle part, pour essayer de l'attraper. On va essayer, je pense qu'ils vont aller sur Malbion. On a un amiral qui est mort. On en a deux disponibles. Ils sont quoi? Entretien des vaisseaux et cadence de tir. Et entretien des vaisseaux, cadence de tir. Mais pas mal celui-là. Et j'ai pas regardé ce qui était mort. Si c'est un scientifique. C'est un scientifique, ça tombe mal. Faut qu'on le recrute. Vitesse de recherche, ça pourrait être très bien ça. On va le mettre en disponible. Et ils sont partis par là-bas. D'accord. Faut qu'on arrive à attraper leur flotte et je pense qu'après on sera pas mal. Il faut gagner un petit peu de score de guerre, il n'y a pas grand chose à gagner mais... On a toutes les planètes qu'on réclame hein, déjà. Ah, là on devrait pouvoir tirer, pas de chance. Ils sont partis par là-bas. On va essayer de les intercepter. Et on devrait pas être trop loin par ici. Et on va être juste bon. Allez, allez. Est-ce qu'on peut tirer? Non, malheureusement non. System survey complete. Leur capitale est ici. Hein. Faut vraiment qu'on arrive à attraper ça. Ok, il y a des vassalisations. Hostile fleet engaged. Colony established. Ok, des colonies ont été établies. Très bien, le vaisseau scientifique, on va lui demander de rentrer sur une de nos territoires, sur un de nos territoires pour l'instant. Une colonie a été établie, c'est bien. Ça veut dire qu'on a encore donc la possibilité. Monde continentaux. Océanique. Monde désertique ici. On peut se venir ici? Bah, bien sûr on peut. Donc dans ces cas-là, autant coloniser, c'est un monde désertique. Très bien. On serait même très bien ici. Donc celui-là, on va l'intégrer d'ailleurs au secteur. Situation log updated. «
Hostile fleet engaged. Debris analyzed. Situation log updated. Bon, ils vont bien finir par nous le donner. On arrive à détruire des planètes. Voilà, on a réussi. Enfin, victoire. Donc on a perdu plusieurs secteurs, bien sûr. Certains sont en famine, etc. On va mettre pause, d'ailleurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que pendant l'inter-épisode, je vais augmenter le secteur qui est ici. Je vais m'en servir. Je vais aussi construire certaines planètes, tout simplement pour améliorer notre ratio en démographie, parce que pour l'instant, bah, vous voyez que c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Hein. Donc, je vais m'occuper de l'inter-épisode pour réaliser tout ça. J'espère en tout cas que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut !